Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer Jésus-Christ? Alléluia! Bonjour à tous! Ce dimanche 20 février à l'église de Gisors, 17 rue d'Elincourt, nous accueillerons le prophète Valérie Yao. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu veux la partager. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, dis victoire. Si tu as la joie au cœur, dis victoire. Si tu as la joie au cœur, si tu veux la partager. Si tu as la joie au cœur, dis victoire. Comme vous le savez, certains sont appelés comme prophètes, pasteurs, docteurs. Je prophétise que lorsque tu sortiras d'ici, ta joie sera immense. Je dis ta joie sera immense. Je dis ta joie sera immense. Ce qui volait ta joie va te quitter au nom de Jésus. L'anxiété te quittera, la peur te quittera. Les dettes seront supprimées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Qui a dit amen pour que je puisse prêcher ce matin? Et donc, nous aurons le plaisir de l'accueillir ce dimanche donc à 10h. N'hésitez pas à venir nombreux. Si jamais vous n'aviez pas la possibilité de vous déplacer, il a toujours la possibilité de nous suivre en live via Facebook. À bientôt. Les moments difficiles font partie de notre traversée ou de notre destinée. Avec Dieu, vous ne pouvez pas monter si vous ne descendez pas. C'est pourquoi la Bible dit de Jésus, le même qui est descendu, c'est le même qui est quoi? Qui est monté. Et je veux prophétiser ce matin, certainement que tu es descendu par les larmes, tu es descendu par les difficultés, tu es descendu par des situations compliquées. Mais ce matin, je te vois remonter par la grâce de Dieu.